Bonjour à tous et toutes, c'est Messendil sur Niche. Alors c'est parti. Alors on a plein de parties en cours, hein, je le sais bien. Pas forcément des parties que je vais garder de toute façon, genre celle-ci, il faudra l'effacer. Mais j'ai envie de partir un peu dans, voilà, les premières neiges. Dans la neige, c'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup, 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 la neige. Et voilà, on va repartir à zéro, une bonne partie dans la neige. Je crois que c'est mon biome préféré. Parce que la savane, la dernière fois, il y avait eu comme un bruit de biscotte. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait rien. À chaque fois qu'on spawnait, on mourait en très 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 peu de temps. Je crois que la savane, c'est le biome le plus dur du jeu. Je trouvais la jungle très très dure, mais alors là, franchement. Ok, donc les premières neiges, c'est quand même assez calme. À moins qu'à un moment donné, il se mette à neiger et qu'on ait de la neige partout. Mais à vue de nez, c'est quand même très 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 calme. Alors, ma petite, tu fais des bébés? Tu peux pas faire un nid ici. Je crois que de toute façon, il y en a un. Ah ouais, non, j'en ai vu un tout là-bas. Mais non, mais tu vas aller là-bas. Tu vois pas Non, peut-être pas quand même. Ah, il y a à manger là. Ça, c'est top. Donc, le bébé, il est fait. Donc, on a dit qu'il y avait à manger là. Ok. Et bah, tu vas t'éloigner un peu. Tu feras ton nid le prochain coup. Ah, il y a des crabes. Direct, quoi. Vous êtes comme ça, vous. Bonjour. Bonjour. D'accord. Alors, on va essayer de vous tuer, madame la hyène. Ouh, c'est pas fait. C'est pas fait du tout. Ok, super. On n'a même pas encore fait de bébé. On est déjà en train de taper sur une hyène qui est toujours pas morte. Oh, comment ça commence bien. Ou pas. Oh, elle est quasiment morte. Il faut que tu la soignes. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Peux-tu faire un nid? Non, construire un nid, le terrain n'est pas propice à la construction d'un nid. Bon, on va encore t'éloigner, hein. J'espère que le tour suivant, ça sera bon. Parce que là, il faut que tu fasses ton bébé. Oh, une bébé hyène! Attendez, attendez, attendez. Toi, il faut que tu fasses ton nid. C'est l'urgence totale parce que tu n'es pas bien. Et on va récupérer le bébé hyène! On a un bébé hyène. On a un bébé hyène amical. Voilà, donc maintenant, il faut le faire grandir. C'est fait, hein. Je me dis qu'on peut lui taper dessus maintenant. Oh là là, mais c'est quoi cette partie de fou? Ok, on a une autre femelle ici. J'ai même pas regardé les stats de base de notre couple, en fait. Je suis partie, j'ai joué direct. Ah mince, trop tard pour les gènes. Elle, elle va déjà faire le bébé. Pas de gènes, pas d'attributs. Ah, là aussi. Oh là là, ça devient compliqué. Oh, ça, j'adore. Oh, j'adore la peau toxique. Ça permet de manger vraiment toutes les plantes. C'est super, super pratique. Grandes oreilles, ça c'était top pour aller dans les déserts, on n'y est pas. Ça c'est super rigolo. Les cordes de bélier, c'est pas très utile. Pattes de velours. Pour la neige, il faudrait plutôt être le poil soyeux, enfin le poil fluffy quoi. Plein de poils. Vous n'avez pas plein de poils? Vous n'avez pas poilu? Non. Grand corps, corps moyen, ça ne dit pas ce que ça fait. Il faut se rappeler quoi. Bon, on va quand même mettre pattes de velours parce que c'est pratique. Ok. Et on va, parce que là, il y a là aussi, en fait. Donc ici, je vais te mettre ça parce que ça donne quand même plusieurs choses. Et ouais, après, ça va être physique, quoi. Ah, tiens, encore moyen, ça donne plein de choses. Ok, on va faire pareil avec notre monsieur. On te met les mêmes, mon petit père. Voilà, corps moyen. Et donc, visiblement, ici... Ah non, c'est bon. En fait, ça l'a fait pour les deux. C'est bizarre. Ça l'a fait pour tout le monde. Ok, c'est encore bizarre, ce truc-là. J'avais pas encore vu. Bon, on a une petite hyène de compagnie. On a une autre femelle. Est-ce qu'on peut la prendre? On peut la prendre direct. Du coup, elle peut bosser direct. Bah, ça tombe bien. Parce que j'ai dit notre Ève. Mais elle s'appelle Koana. Et c'est pas Adam, c'est Kirvanta. Parce qu'au début, normalement, avant... On avait Adam et Ève. Bon, maintenant, on n'a plus Adam et Ève. Par contre, notre petite, elle se fait la malle, là. Il faut pas qu'elle aille trop loin. Hein. Qu'est-ce qu'elle est en train de foutre? Mais non, c'est pour pêcher, toi. Qu'est-ce que tu... Eh, mais va pas te noyer, hein. Parce que quand tu seras grande, on pourra se reproduire avec toi. Quoique, t'as l'air d'être un mâle, ton anneau est bleu. Quoique. Quoique. En tout cas, alors, le problème, c'est qu'elle est à nous, mais elle se barre quand même. Elle vide sa vie. Ça, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais clairement. Bon, on a une petite femelle qui est née. Ça, c'est une bonne chose, vu que maman, c'est pas la fête à la maison.
Ok, il n'y a déjà plus à manger. Ah, voilà pourquoi il faut la peau toxique pour manger, c'est Bella. Mais toi, tu ne l'as pas, la peau toxique. Est-ce que quelqu'un l'a de base? Non, on ne l'a pas. Hein. On ne l'a pas dans notre famille. Toi, t'as que un en froid. Alors, par contre, t'as trois en chaleur, quoi. Super. Ah, 4, ça c'est bien, il va falloir le donner à tes bébés. Et toi, t'as quoi en froid? 3, c'est bien. C'est bien, c'est bien. 3 en attaque, oh, t'es pas mal du tout. Par contre, tu n'as pas ça, donc tu ne peux pas prendre ces fruits-là. Toi, va par là, le buisson, il est déjà vide. Ok. Petite hyène, mais elle va se noyer. Oh là là, mais on peut pas aller dans l'eau, on peut pas la suivre. Hein. On peut pas prendre le risque. Bah, j'espère qu'elle va revenir. Sinon, on a une hyène pour rien, ce qui est quand même un petit peu dommage. Toi, tu sais pas encore faire grand-chose, hein, t'es qu'un tout petit babaye. J'allais dire explore, mais... Non, 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 attends, le prends pas, le prends pas. Bonjour, 3 en froid. Le reste, puis il est bientôt mort, quoi. Puis il est pas beau. Non, laisse-le. La fille, non, lui, il est vraiment pas beau. Ok, va falloir refaire des bébés en fait. Il va falloir que vous y remettiez vite. Parce que notre Ève qui n'est pas Ève va bientôt ne plus être. Voilà, petite, laisse la place à maman. Et maman, voilà, ça tu vas pouvoir nous faire un petit bébé. Remettez-moi le truc là, j'aime bien moi quand il y a... Pourquoi on peut plus avoir la barre là sur le côté? Petite barre, remonte. Remonte. Ah, pourquoi ça veut plus? Normalement, on a une barre sur le côté qui était dans les nouveautés. Bon, bah, elle ne veut pas. Je suis maudite de la barre. Bon, on va... Moi, non. Tu sais pas taper, tu sais rien faire, toi. Même pas capable de taper une taupe, quoi. Ah là là. Donc, ce buisson-là, c'est bon. Il va falloir faire des bébés avec elle aussi. Ok, on a une petite fille encore, c'est impeccable. Ok, alors attendez vous deux. On regarde quand même vos immunités parce que bon, c'est des HG. Ok, c'est bon. Bah, ça a l'air d'avoir été nickel. Toi, tu t'en vas. Il va falloir attendre que la petite puisse s'en aller aussi. T'as qu'à désherber autour en attendant. Toi, les fruits. Papa, ouais, hein, explore un peu. Toi, rapproche-toi du nid. Et t'as qu'à désherber. Ok. Ok, nous n'avons plus notre femelle. Non, pas le rapace. Non, pas le rapace, mangeur d'enfants. Ciel, toi, viens. Viens. Accoucher. Mais il n'y a plus de nid. Ah bah super, quoi. Je te bouge pour récupérer le nid et ce dernier se détruit tout seul. C'est excellent. Il nous faut... Ouais, du crabe on peut aussi, mais il faut être à deux. Voilà, comme ça t'aidera pour les crabes. Et notre hyène est devenue une hyène aquatique. C'est fort fort dommage. Ouais, on enlève quand même ça, je pense pas que ça dégène pour les crabes. Ah, c'est la nôtre? Ah ouais, c'est la nôtre qui est en train de grandir. Alors attendez. Nous avons un petit mec qui est choupinou avec ses grands yeux. Il a des grands yeux écarquillés. Est-ce qu'on peut se reproduire avec la hyène ou pas encore? Viens essayer. Mets-toi là. Si, ça a marché. On a fait des pépés avec la hyène. Oh, c'est trop rigolo. Par contre, on n'a plus de bouffe là, les enfants. Non, mais je rigole pas, on a vraiment plus de bouffe. Ouh, la galère. Oh, on n'a plus de bouffe. Le buisson toxique. Non, il y a un autre buisson là-bas. Ah oui, alors attends. Toi. Hop, j'ai eu un truc passer. J'espère qu'il va pas te manger. Et ouais, mais il faut être deux pour les crabes. Ah, fichtre. Fichtre, fichtre, fichtre. Oh là là, on est dans le caca, on est dans le caca, on est dans le caca. On a quelqu'un qui ne va pas manger. Bah non, pas... Oh là là, toi, faut que je te bouge. Tant pis. Ok, notre hyène est partie. Ok, c'est carrément le mal principal qui a eu faim. Toi, viens accoucher. Toi, viens aider à chasser le crabe. Voilà.
Mais... Ah ouais, mais par derrière, bon. Ok. Ok. Ah, il a plus d'action. Ouais, on va remettre à manger. Petit, toi, tu peux juste te déplacer encore. Il y a quelqu'un? T'as rien du tout? T'as pas d'action? Oh merde. Oh là là, la cata, c'est de pire en pire. Oh là, on est pas top. On n'est pas tip-top. Bah, je peux pas faire grand-chose, hein. Je peux pas inventer de la bouffe. En fait, il faut qu'on ait plus de monde sur la bouffe, là. J'ai pas géré. Et toi, je peux te mettre là, mais voilà, tu as plus d'action pour aller chercher. Et toi, si je te dis d'aller chercher, ça ne va pas. Il faut que t'accouches. Bon, bah... Oui, je sais, vous avez faim. C'est une catastrophe. Oh non! Ok, là, non, il faut manger. Toi, tu vas à l'autre buisson. 3. Oh, bah, mon vieux, il nous aura bien saoulé ce crabe. Donc ça, c'est le petit croisé avec la hyène. Ah oui, effectivement, 4 en combat. Une petite fille qui, somme toute, a l'air extrêmement normale. Ce serait bien de la recroiser. Pourquoi elle est malade? Réduction par dommage, 3 jours. Pourquoi elle a eu 3 jours de dommage? Si vous me racontez. Bon, il faudra retrouver notre hyène de compagnie, la re-reproduire avec la petite pour continuer à booster les dégâts de notre lignée. Ça peut être quand même tip-top. Il n'y a rien à manger sur le bord de l'eau. Il y a un arbre tout là-bas, mais on n'a pas cracking. Ah, si là, il y a une sangsue qui va venir nous casser les... Ah non, c'est un poisson. Oh là, il est dangereux, ce poisson-là. Il fait mal, ce poisson. Bon, bah... trouve-nous d'autres baies. Hein. Oh, il y a un crabe là-haut. Oh, les petits oiseaux. Attendez. Joup. Il y a un crabe là-haut, il y a un crabe là-haut. Est-ce que toi, tu sens autre chose où tu es? Ok, on a un autre individu là-haut. Toi, tu sens rien où tu es. Ça, c'est la loose. J'aurais pas dû... Oh, bah si. Ok, on a une taupe. Toi, tu vas aller essayer de... Il a pris qui? Parce que c'est pas un de mes bébés qu'il a pris. Il a pris un truc par là. Ça va être une taupe ou un lapin. Alors, petit, tu te mets là. Et toi... ça va pas être assez sur le côté forcément. Si tu te mets là, il y a une dinde. Non, on n'est pas assez derrière. Oh, il nous les... comment dire ça habilement? Il nous les brise, ce crabe. Il nous les brise profondément. Hop. Faudra réussir à se positionner, tout ça pour un compte crabe. Attendez. Quoi? Oh, mais il y a un buisson là. Oui, bah il est venu pas derrière. Mais on peut pas se mettre derrière, il y a des buissons et tout le tralala. Faut un camp, toi. Bon, bah, on va pas y arriver. Prends plutôt ça. Toi, prends ça. Mais là, lui, il cherche, hein, par contre. Hein. Lui, il cherche à se faire tuer. Hein. Par contre, il va falloir refaire des bébés. Ça aussi. Ok, on a 5 individus, ils ont tous fait quelque chose. Ouais, là, il va falloir refaire des... Il va falloir refaire des mouflets, hein, dans ce monde de crabes. Oh, neige! Oh, qui est beau! Waouh! Oh, c'est trop beau! J'adore l'ambiance! Oh, vraiment! Je suis fan de l'ambiance. C'est tout bête, hein, mais... mais j'adore. Bon, j'arrête avec les crabes, parce que là, je me prends la tête, en fait, pour des foutus crabes. Là. Là. On n'a pas assez. Ah, on n'a pas assez de... On n'a pas assez à manger. Oh non! Oh non! Il n'y a plus... Oh non! Oh non! Ils sont vides. Toi. Ah. Ok. Ah bah tu peux taper sur ce crabe-là. Ah mais du coup, toi tu peux taper sur ce crabe-là. Non, sur le côté, on peut pas, hein. Ok, oh c'est trop mimi. Oh là là, ce que j'aime cette ambiance.
Ça fait festif, ça fait Noël, quoi. C'est le jeu auquel il faut jouer à Noël. Oh, la grosse moto, merci. Oh là là, c'est trop kawaii. Ok, on passe. J'allais dire, il faut des bébés, mais le souci, c'est qu'on arrive déjà pas à se nourrir, là. On va l'avoir. Non, mais il est immortel. Mais il est mortel, ce crabe! Ou c'est vous qui êtes nul? C'est peut-être vous qui êtes nul. Notre petite hyène apprivoisée, elle est partie, on sait pas où, hein, elle vit sa vie de petite hyène. Ok, nous on va peut-être commencer à se geler le cul, ça a l'air d'aller. Toi, peux-tu encore faire un bébé? Je ne pense pas. Non, parce que de toute façon, le mâle n'a plus, si je te donne machin, t'auras pas. Si tu te mets là, que tu t'accouples, t'auras plus assez pour faire de nid, tu mourras avec ton bébé. Donc voilà, fais des trucs pas très utiles. Toi par contre, tu peux t'accoupler avec ton frère. Mais tiens, il y a un mille. Vire la dinde. Oh ouais. Hop. Oh, il est moche. Oh bah il est ben moche celui-là. Bon, mine de rien, il a 3 en froid et 4 en dégâts. Hein. Il est ben moche. Même mine de rien, il est plutôt pas mal. Mais elle va. Merci. Ah, mais je peux plus. Je peux plus la mettre. Ok. Oh là là, ça recommence. Ah ouais, puis il pleut pas. Du coup, les fruits, ils remontent pas vite, quoi. Ah ben, c'est parti. Non, mais je voulais te prendre, monsieur. T'es où? Je n'ai pas tout compris. Voilà. Viens chasser. Ouais, il faudra que tu te mettes là, mais t'as plus, je sais, t'as plus d'énergie. Oh là là, avec l'eau et tout, ça fait miroir. Oh, c'est génial. Il est trop kawaii, ce jeu. Ok, mais il est dur. Hein. C'est du kawaii super dur. Ah, mais il y a des bruits partout. Ah ouais, donc là, le crabe, il se retourne pas, quoi. Ah bah... Ah, tu fais juste chier, quoi. D'accord. Bah, on t'aura peut-être le prochain coup. Ensuite... Oh là là, mais les dindes de merde. On va jamais la voir, notre bébé. Mais elle bouge pas, quoi. Oh, et on n'a pas de bouffe du tout. Là, ça fait n'importe quoi. Oui, je crains, oui. Oh, puis il y a un gros nounours qui arrive. Non, mais c'est beau, hein, malheureux. Bon, bah notre hyène, c'est dommage que la hyène, elle reste pas. Parce qu'elle pourrait carrément... elle pourrait carrément nous aider pour les guerres et tout ça, quoi. Ok. Vite. C'est bon. Tu vas pouvoir faire ton mouflet. Fous-moi le corps, la dinde de caca. Ok, ici, un peu de fruits. C'est déjà ça. Ok, ah il y a encore celui-là, ouais. Ah puis l'individu rouge, c'est vrai qu'il est parti, il était pas mal. Mais alors lui on l'a paumé. Hein. Ok, on avance pas très bien, plus je viens de faire un bébé. J'ai pas envie de faire la petite. Elle est malade. T'as attrapé? T'as pas attrapé. Fous-moi le camp, vite. Oui, ton bébé est malade, tu dois l'abandonner. On va s'en occuper, on va aller lui donner un bain d'eau froide. En général, les bains d'eau froide, ça leur fait du bien, mine de rien. Succès, la malédiction d'Adam. Voilà, et ben, on n'aura pas besoin de lui faire un bain d'eau froide à ton bébé, il est mort. Voilà, il s'est fait bouffer par une de chouette. Voilà, on est tranquille. Hein? C'est plutôt pas mal. Oh, t'as des jolies pattes griffues, toi. Ouais, à 4. Donc ça, c'est notre petite femelle hyène. CGHC. Ok. Faudrait que vous fassiez un mouflet, vous. Par contre, t'es pas obligé d'aller dans l'eau, quoi. Bon, on va voir ce qu'on fait de vous. Et bah, pour le moment, on fait pas grand-chose intellectuel, hein, ça c'est sûr. Ça ne se passe pas très bien. Oh, il y a un nid ici, ça c'est bien. Vas-y, viens là. Voilà, et le crabe, bah on fait le bébé et puis bah le crabe, vous verrez ça après. Toi,
Oui. Ah, il y avait un petit lapin. Ça, c'est bien aussi pour manger. Oh là 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 là, la récolting. Celui-là, il est vide. Oh là là, tout est vide. C'est horrible, on va mourir de faim. Ah, le lapin. Oh là, le lapin dans les pattes, on veut pas le manger, on n'a plus d'action. Ah, c'est horrible, on va mourir. On va tous mourir. J'ai pas fait la génétique. Oh merde. Concentre-toi, Neve. Vitesse, nager, ma foi, vous êtes un peu mou du genou. Et ouais. Non, non, ça. Ah, ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est grâce à la hyène, je pense, qu'on a récupéré ça. Ah ouais, ouais, faut cogner, les gars. Faut cogner, faut cogner, faut cogner. Tiens, ça, ça donne plein de trucs. Ok, on n'a pas à manger, encore. On va avoir faim, encore. Ah là, ça me dit juste qu'on a eu... d'accord. Qu'on a été malade. C'est la nôtre? C'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre. Ok, mais pourquoi ils naissent malades? C'est parce qu'il fait froid? C'est pas bien ça. Voilà, 4, 2. Alors toi, par contre, t'avais 4. Hein. Ouais, donc la hyène... là, voilà. Beaucoup à manger, du coup. Parce que la hyène, beaucoup bon goût. Ah, ça, c'est bien. Mais il faudrait retrouver notre hyène de compagnie, parce que moi, j'en ferais bien des bébés avec. Hein. Le petit lapin, il est parti où, le petit lapin? Ce pauvre. Ah, 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 ah. Ouais. Oh, tu l'as pas tué? T'as un dégât, quoi. Oh non, elle va mourir sans avoir réussi à tuer un lapin. Oh, la blague, quoi. Oh là là, la nullité du truc. Bon, 5 individus. Ah oui, 5 individus, oui, avec le bébé. Ok. Donc maman, tu restes, parce que sinon on va se le faire manger, le ptio. Quoique, si je me mets là... la nourriture remonte. Ah oui, alors toi, moi, j'espère que tu vas pas te faire bouffer. Là. Ouais, voilà, voilà, voilà. Même pas été capable de tuer un lapin, quoi. Merci. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oh, on a plein de lapins d'un coup. Ah, oh, c'est top. C'est top, c'est top. Ça remonte la bouffe. Ça remonte. Par contre, on n'a plus grand monde. On ne sait rien faire. T'es un bébé. Te fais pas manger, te fais pas manger. Voilà, t'es notre lignée de hyènes. Donc, te fais pas manger. Ouais, refaites-moi un bébé direct. Ma bonne lignée de hyènes. Toi, papa, tu vas explorer parce qu'il faut qu'on trouve de nouveaux individus. Oh là là, elle est juste au-dessus. Elle est juste au-dessus. Ah bah, moi, j'ai mon bébé. Oh, bonjour. Vous êtes nul. Aucun intérêt. Non, on n'est pas intéressé. Bonjour, merci, au revoir. Oh, il n'y a rien bouffé. Oh là là là. Allez, allez. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Un nouveau bébé qui cogne. On a des lapins partout. On a une chouette au-dessus. Qui mériterait de se faire bouffer, elle, pour le coup. Reste avec ton bébé, hein. On va pas prendre de risque. Tiens, il y a un nid là. Oh, il y avait une taupe. Ouais, mais tu sais pas taper. Il y a eu un bruit bizarre. Ok, normalement, je sais, c'est dommage de perdre tes actions, mais il faut que tu restes avec ton petit. Ah, mais le voilà, le rouge de tout à l'heure. Lui, je voulais le prendre, par contre. Ah, bonjour. Copain. Ah, tu sais pas récolter, par contre. Bon, mais tu sais pêcher. Donc, tu vois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller pêcher. Il nous a récupéré des algues. C'est un bon petit père, ça. Par contre, lui, j'espère qu'il va pas venir ours en équilibre. Tu es un ours en équilibre. Je sais pas ce que ça veut dire, mais reste chez toi. Merci, au revoir. On n'a qu'un de nourriture. Comme ça, c'est qu'on n'a qu'un de nourriture. On n'a qu'un de nourriture. Donc, en fait, ce que tu viens de pêcher, ça nous a fait qu'un. On n'a rien eu d'autre. On est déboulé. Tout le monde a faim. Voilà, elle est morte. Ok. Oh là 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 là, l'hécatombe. C'est l'hécatombe, on va tous mourir.
Il y a un buisson là-bas, je sais pas ce que c'est comme plante ça là, mais à mon avis c'est pas bon. Hein. Oh là là, il n'y a pas de buisson de ce côté-là. Faut revenir les gars. Il va falloir revenir de l'autre côté. Toi, tu peux-tu nous faire de beau? Là, il y a des poissons. Non! Non, mon bébé! Oh my god! Non, vite, rapproche-toi de l'autre. Non, on est plus deux. Ok, c'est notre lignée agressive. Faut pas la perdre. Il faut que vous fassiez des bébés. Ok, mon beau. On y va. Il faut que vous fassiez des bébés, sinon on va perdre. Ok, pas la chouette. Pas l'ours. La pêche. Eh bien, tu peux pas traverser. Si je te mets dans l'eau, tu vas mourir. Oh, franchement, vous êtes débile. Viens là. Ah, il y avait un individu. Faites des bébés. Ça va marcher. Faites des bébés. Ça va marcher. Me dis pas que t'es stérile. Non, me dis pas ça. Il a qu'un. Oh. Eh ben, il va falloir y aller. Bon, écoutez, vous êtes que deux. Vous avez à manger. Mais vous avez un nounours. Voilà, on est bien. Bébé. Ok. Viens là. Même si à mon avis t'es pas encore assez loin de lui. Waouh, on lui a rien fait du tout. Mais rien du tout. On va mourir. On est mort. On a un bébé affreux, mais qu'il est moche. Là, il a les yeux noirs. Et là, ah non, c'est parce qu'il a les yeux fermés. Oh là là, l'état du truc. Waouh, c'est en combat. Il a gardé les griffes de hyène de la lignée. Oh, bon petit. Oh, bon petit. Alors là, faut que vous surviviez, les enfants. Donc, on va t'envoyer... oh non. Oh, il y en a deux. Alors le souci, c'est que si je m'éloigne, ils vont le bouffer. Et si je m'éloigne pas, on va mourir de faim. On va mourir de faim. Bon, tant pis, on tente. Non ! À mon manger, mon bébé ! Oh non, il était génial ! Il avait 7 de combat ! Non ! Pas le nounours ! Ah, vite ! Bonjour ! C'est un mal errant ! Bon, voilà, la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est qu'il s'accouple. Hein. Ah, vite ! Vite. Ah voilà, on a fait des bébés avec le mal errant. C'est notre seule chance de pas perdre la partie. C'est notre seule chance de pas avoir de game over, mais on est en train de mourir de faim. Non. On me persécute. Mais on me persécute. Non mais sérieusement. Non mais sérieusement quoi. Je vais pleurer le chien. Non ça va gosse, c'est pas grave, c'est un jeu. Je te jure, je m'amuse quand même. Tout va bien. Fuis hein, ma cocotte. Fuis. Là t'as pas le choix. Hein. Faut te barrer. Hein. Ah oui, t'as un bébé dans le ventre. C'est la nôtre? C'est pas la nôtre. Oh, c'est dommage. Ah oui, non, on n'aurait pas pu s'accoupler avec. Parce qu'il fallait que ce soit la nôtre. Tu as 4 en combat, mais ça va pas. Allez, on va pas réussir à la tuer. Il faut faire notre bébé. On a froid. Il a donc son énergie réduite. Game over. Ton espèce s'est atteinte. Oh, la tristesse. Bon, ben on aurait un petit peu essayé la neige. On aura quand même été dans la neige. Ça aurait été une partie concept. Hein. On a eu de la hyène, de la hyène, de la hyène. On a eu aussi la nôtre. Et ça, c'était plutôt top. Malheureusement, on n'a pas pu réussir à continuer notre lignée dans la neige. En tout cas, j'aime assez bien. Franchement, la neige, je crois que c'est mon biome chouchou. Je ne sais pas quel biome vous voulez le prochain coup. Va falloir... non mais va falloir nettoyer. Hop. Voilà. Hop, bac à sable. Je ne sais pas quelle. Peut-être île ou moyenne ou île difficile. Mais il est difficile, on a déjà chié sur une île moyenne. Alors est-ce que c'est que la taille?
Allez, on va dire une île difficile. On va essayer une île difficile. Je pense que c'est que la taille, j'espère. Parce que si c'est vraiment plus difficile déjà que je galère. Donc dites-moi si vous voulez l'oasis, le croisement, la montagne d'été, l'hiver long, les roseaux somnolents ou la porte de la jungle. Voilà, dites-moi ça pour le prochain épisode de Niche. Niche qui est sorti officiellement vendredi dernier. Ça y est, le jeu est officiellement sorti. N'oubliez pas, en premier commentaire de la dernière vidéo de Niche, donc celle d'avant celle-ci, où je faisais gagner 3 clés, j'ai donné les 3 gagnants. Hein. N'oubliez pas, allez voir ça si vous n'avez pas vu sur Twitter. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye tout le monde. Time flies, close your eyes, imagine you could see everybody else's dream, what a comfort it would be.